Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce plateau spécial. Cela fait 2 ans que le président Patrice Talon est à la tête du Bénin. Bien de choses ont été annoncées dans le programme d'action du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Création de plus de 500 000 emplois, construction de plus de 20 000 logements, recrutement massif, microcrédit nouvelle génération, également un paquet d'actions sous le vocable Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. À l'épreuve de l'exercice, qu'a-t-on pu faire concrètement à l'endroit des couches les plus défavorisées? Quelles sont les grandes réalisations dans le domaine du social et quelles sont également les priorités pour les 3 années à venir? Mon confrère Fortune Rondefa de TVC Carrefour et moi faisons le bilan avec nos 3 invités. Fortune Rondefa, bonsoir. Bonsoir Rachida Bio, maman. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de partager ce plateau avec moi. Merci. Vous l'avez dit, 3 invités autour de ce plateau, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabi Adam Taro, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste, Monsieur le journaliste, bonsoir. Bonsoir très chers téléspectateurs. Et le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidia Toumatis, bonsoir à vous. Bonsoir. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, vous avez là l'occasion de repréciser, de nous donner la vision que le gouvernement a du social. Merci, monsieur le journaliste. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a pour mission la définition, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation de la politique en matière de protection sociale de la famille, de l'enfant et de la microfinance. Et vous convenez avec moi que c'est un vaste chantier, un secteur transversal. La vision du chef de l'État en la matière est vaste et dense parce qu'il a un souci, c'est le souci de sortir les populations de la précarité, de la pauvreté dans laquelle beaucoup de nos citoyens, nos concitoyens végètent. En parlant de l'étendue de ce secteur, je voudrais donner quelques exemples. C'est la construction des infrastructures pour alléger les peines des populations, leur permettre l'écoulement de leurs marchandises, le gain de temps dans leurs déplacements. Et ensuite, l'accès à l'eau potable, par exemple, c'est un secteur vital qui apporte... qui garantit la vie aux citoyens. Alors, Modeste Kérékou, on a entendu le président Patrice Talon lors de la visite de Christine Lagarde au Bénin dire que les Béninois devront désormais s'habituer à une autre forme de social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon précise quelle est la vision que votre gouvernement a du social, le gouvernement auquel vous appartenez? Merci beaucoup, Madame la journaliste. C'est vrai que dans notre pays, l'acception générale, quand on parlait il y a encore quelques temps du social, pourrait être ou était assimilée à une forme de précarisation et à une forme d'instrumentalisation quasiment des populations, des jeunes, à travers quelques actions à consonance, à tout le moins politique, voire même électoraliste, qui était organisée. La vision du social, celle du chef de l'État, du président Talon, celle de l'ensemble du gouvernement, cette fois-ci est plutôt une meilleure responsabilisation des couches vulnérables, des jeunes. Ce n'est pas dans la distribution de l'argent, pas du tout. À tout va. Pas du tout, je pense que vous-même vous en convenez. Il est du rôle du gouvernement de définir des politiques et des instruments pertinents pour accompagner les jeunes, les couches, les catégories vulnérables. Mais il n'est certainement pas de notre rôle de procéder à des sortes de kermesses ou de distribution d'argent où on fait chanter, danser à tue-tête sous le vocable de social.
tout au long du débat, nous pourrions revenir sur des exemples factuels où nous pouvons vous détailler ce qui est fait depuis le 6 avril 2016. On pourra aller un peu plus en détail. Didier Doumartis, c'est vrai que vous êtes le ministre du Travail, de la fonction publique. Vous vous occupez plutôt des ressources humaines, de la carrière des fonctionnaires de l'État. Mais vous aviez été avant ministre des Affaires sociales. Dites-nous comment se fait la coordination entre les ministères dans la mise en œuvre du social. Merci, monsieur le journaliste. Je ne vais pas répéter mes collègues. J'avais géré effectivement ce département ministériel chargé du travail, de la fonction publique des affaires sociales. Et vous savez que partout où l'on gère l'homme, où existe l'homme, dont il faut améliorer les conditions de vie, même la gestion des carrières, c'est du social. Aujourd'hui, je m'occupe du ministère du Travail et de la fonction publique, comme je l'ai dit. Je suis chargée essentiellement de la gestion de la carrière des agents de l'État et aussi du suivi des travailleurs du secteur privé. Et vous voyez, je fais du social aussi la preuve, mon département est chargé du dialogue social. C'est vrai que, vu la dénomination, on a un peu du mal à percevoir ce volet social au niveau du ministère que vous dirigez. Mais 2 ans de gouvernance, Fortune Rundefa, 2 ans de gouvernance sociale, les Béninois ont forcément leur petite idée sur la question. Nous leur avons tendu le micro, regardez. Déjà, c'est le socle de l'amélioration du social. Allons vers le social. Le social, en général, c'est le panier de la ménagère. Je mentirais si je dis qu'au niveau de ce panier, il y a des trous. Et il faut boucher ces trous. Pas forcément en criant « travaillons, travaillons », mais en revoyant peut-être au niveau du mécanisme de la fixation des impôts, des taxes. La deuxième chose... Parlant toujours de mon avis, si vous me le permettez ainsi, ça nous permettra d'améliorer les microfinances. Ça nous permettra d'améliorer notre niveau de vie au point de vue santé. Parlant toujours du RAVIP, quand on aura les vraies bases démographiques et statistiques, c'est sûr que des choses vont bouger, des réformes prendront. Tout est relatif. Moi, mon point de vue peut ne pas être le sien. Ben, je suppose que lui-même sait ce qu'il est en train de faire et qu'il a à cœur la paix dans le pays, il a à cœur le développement, il a à cœur une meilleure situation du Béninois. Maintenant, on n'a plus personne. On n'a pas d'étrangers. Avant là, c'est les Libanais qui vendent des véhicules, c'est eux qui viennent en quantité avec les Européens et le marché est rempli. Regarde, quand tu finis maintenant, tu prends la ligne là, jusque là-bas, tu vas voir que c'est nous les vendeurs seuls qui se regardent comme ça, de matin jusqu'au soir. Même si tu veux jouer un football de 90 minutes, maintenant tu vas jouer ici. Les femmes souffrent beaucoup. Si le PME fait quelque chose pour aider les femmes autrement, pour qu'ils aient de la satisfaction, ce serait un peu bon. Les microcrédits que notre président nous a amenés là, nous, les femmes, de Bégamessi, on n'a pas encore bénéficié. Hein. Nous sommes en train de faire les démarches, mais on n'a rien reçu d'abord. Avec tout ce qui se passe, disons que l'affaire de Gaïman, tout est mélangé et l'État fait de son mieux. Je ne peux pas dire que Talon est mauvais, je ne peux pas dire que Talon n'est pas mauvais. Et même si on a eu des jours tristes par rapport à ce qui s'est passé au bord des voies, tout va bien. Le social, sincèrement, moi, je trouve que ce n'est pas encore ce que ça doit être. Ça n'a pas encore pris. Il ne faudrait pas se limiter à la ville pour savoir ce que les femmes enduisent. J'aimerais bien qu'on descende sur le terrain, qu'on puisse s'acquérir de ce que les femmes vivent. On parle de social, de social, de social. La base de tout, c'est la femme. Il faudrait mettre les moyens qu'il faut à disposition de ces femmes-là, de nous, femmes. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. C'est difficile, on a de difficultés à s'en sortir. Les microcrédits, il faudrait que ça reprenne et que l'enveloppe soit revue. En ce qui me concerne, pour le petit constat que j'ai,
Je pense qu'il peut encore mieux faire. Alors, vous avez écouté le citoyen simple, son cri de cœur, voire son cri de détresse. Lorsque vous écoutez les citoyens, les bénéficiaires des actions engagées dans le domaine du social, qu'est-ce que vous répondez, madame? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je voudrais intervenir sur les microfinances pour dire que les microfinances, les microcrédits accordés à nos bénéficiaires, en l'occurrence les femmes, ça ne s'est jamais arrêté. Mais ça avait été suspendu entre-temps. Entre-temps, en 2016, à l'avènement de la rupture, il a dû arrêter pour voir ce qui s'était passé et voir comment poursuivre. En 2017, près de 15 000 bénéficiaires, dont 552 hommes, ont bénéficié de microcrédits dans ce pays. Et cela va se poursuivre. Les systèmes financiers décentralisés ont reçu le chèque pour accompagner les micro et très petites entreprises ou promoteurs pour leurs activités génératrices de revenus. C'est pour dire que ça ne s'est pas arrêté, ça va se poursuivre encore, mais en améliorant. Et quelles sont les différentes innovations apportées par les microcrédits nouvelle génération? Lorsqu'on a fait l'audit et on a constaté qu'il y a beaucoup d'impayés, que des gens pouvaient recevoir des crédits, et on voit leur nom, mais en réalité, ils n'ont pas reçu. Ou des remboursements qui sont collectés par des individus non reversés, par exemple. Maintenant, nous voulons qu'il y ait une certaine traçabilité. Et c'est pour ça que le Fonds national de microfinance s'est doté d'une plateforme. Et nous passons désormais de la finance ordinaire à la finance digitale. D'accord. Qui permet une certaine traçabilité, qui permet de voir qui a véritablement bénéficié du crédit et qui doit rembourser. Et dans ce cadre, je voudrais vous dire que déjà, nous sommes avec le RAVIP sur le point d'élaborer ou d'établir, de produire des cartes pour que chaque bénéficiaire désormais puisse être en possession de sa carte. Et parallèlement à ça aussi, que nous puissions voir, il y a eu un lancement par les systèmes financiers décentralisés, le recrutement des utilisateurs, des agents utilisateurs des terminaux de paiement électronique. D'accord. Qui permettent de suivre désormais la mise en place des crédits et les remboursements également. Lorsqu'on entend, Madame la Ministre, ces femmes disent n'avoir pas encore reçu ces microcrédits, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? De patienter ou il n'y a pas de ressources financières suffisantes pour atteindre tout le monde? Je crois que tout le monde n'a jamais reçu de crédit en même temps. C'est un travail méthodique, un travail élaboré et comme je viens de le dire, celles qui avaient déjà reçu de crédit, c'est-à-dire il y a des étapes, les microcrédits aux plus pauvres, donnés aux pauvres qui n'ont pas accès au crédit supérieur, c'est de 50 000 francs deux fois, et on peut passer à 100 000 francs également deux fois. En fait, c'est comme une formation pour amener les plus pauvres à accéder désormais et plus loin à des crédits plus importants que le FNM également mène, parce que le FNM contribue au refinancement des systèmes financiers décentralisés qui font des microcrédits à des populations, mais d'un montant plus important. D'accord. Donc, chacun va attendre et dès que nous allons sortir les nouvelles dispositions, si vous êtes recensé au RAVIP, vous pouvez avoir votre carte qui vous donne accès au microcrédit. Vous vous rapprochez des SFD et on peut établir un répertoire et aller lentement mais sûrement
faire ce microcrédit. Elles peuvent donc être rassurées, ça n'est pas du tout un oubli, c'est un processus. C'est un processus. Et je viens de dire que nous avons pris des engagements avec les SFD, parce que nous avons obtenu un financement de la BADEA de l'ordre de 2,5 milliards, et nous avons de nouvelles requêtes qui vont jusqu'à... Ça permettra de couvrir, de pouvoir satisfaire tout le monde. Certes, ça ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais nous avons de nouvelles requêtes dans l'ordre d'environ 25 milliards, par exemple, que nous avons relancé. Et d'autres requêtes pourront arriver, venir encore compléter. Cela veut dire que du nombre atteint à ce jour, nous allons grandissant, améliorant. Alors, Modeste Kérékou, vous avez suivi, comme les autres ministres, l'élément témoin que nous avons diffusé il y a un instant. Quelle est votre réaction? Ma réaction, sans vouloir occulter ce qui est dit, Madame la journaliste, permettez-moi quand même de dédramatiser, d'entrer, parce que c'est vrai que nous sommes dans un pays où nous avons la culture, je devrais dire, de la sinistrose, où peut-être certains ont plaisir à dire que rien ne va, rien ne marche. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Des efforts sont à faire, mais je voudrais vous dire que quand nous sommes, si nous parlons du social, les exemples qui ont été évoqués, le panier de la ménagère, un certain nombre de choses, les infrastructures, les microcrédits et consorts. Je voudrais vous rappeler et rappeler aux téléspectateurs au moins un certain nombre d'actions intangibles qu'on a du mal à percevoir, mais qui sont quand même réelles et concrètes. D'abord, depuis 2016, le 6 avril, il semble que personne ne voit et ne témoigne assez que maintenant nous avons l'énergie à plein temps, qui peuvent permettre aux braves femmes, aux braves gens qui travaillent, aux entreprises de fonctionner normalement. C'est important, c'est du social aussi. Il me semble, sauf si vous allez me dire le contraire, que les fonctionnaires continuent de recevoir leur salaire à bonne date et que par ailleurs, le gouvernement, ma collègue du travail de la fonction publique est mieux indiquée pour le dire, continue à chaque fois pour combler soit les départs à la retraite, soit pour renforcer les équipes de l'administration à procéder à des recrutements. Pour venir sur le chapitre du microcrédit, c'est vrai qu'à l'arrivée du gouvernement de président Talon, un certain nombre de choses étaient dites. La question était de savoir, est-ce qu'il faut continuer ou bien est-ce qu'il faut auditer pour voir ce qui s'est passé? Il est évident qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le microcrédit n'a jamais été arrêté. Mais les services compétents de l'État ont regardé ce qui a pu faire par le passé. Si le principe est pertinent, il faut dire que dans sa mise en œuvre, il a été à tout le moins dévoyé. Et tout le monde l'a dit. Mais quand vous voulez regarder les choses en profondeur, pour partir de plus belle, il faut implanter des piliers solides. Je vais vous, en dehors du cas du FNM que ma collègue a cité, je voudrais parler du FNPEJ, puisque j'ai eu l'honneur d'être précédemment le directeur général. Le FNPEJ, par exemple, qui accompagne les jeunes désireux d'aller à l'entrepreneuriat. En 2017 et 2018, le FNPEJ a pu accompagner plus de 200 jeunes. Mais c'est vrai que les procédures, les mécanismes ont été revus. Mais ce n'est pas de la distribution d'argent. Même le FNM, je m'excuse pour la maman du marché qui a intervenu tout à l'heure, même pour les microcrédits, c'est une procédure. C'est celle qui estime vouloir en bénéficier, qui se rapproche des structures compétentes. Ce n'est pas qu'il y ait un service de l'État qui a vocation à se balader de marché en marché pour distribuer du crédit. Non. Les structures sont là, les procédures sont là, et ceux, les couches vulnérables ou ceux qui ont besoin de ce type d'accompagnement se manifestent, rentrent dans un format, suivent la procédure. Cela me donne l'occasion justement de revenir sur l'importance du RAVIP qui est en cours, parce que c'est justement... On l'a entendu notamment, l'intervenant, il a fait le lien entre le RAVIP et le social, c'est vrai qu'on a un peu du mal à le percevoir. Merci, vous me donnez l'occasion de repréciser le lien. Le lien, il est tout simple. Il n'est pas possible que les pouvoirs publics puissent définir des politiques pertinentes
adresser à la population si nous ne savons pas de quelle population il s'agit? Combien de femmes, combien de jeunes, combien d'indigents, combien de tel type de population avec tel type de spécificité? C'est pour ça que le chef de l'État lui-même, dès le premier jour de l'enrôlement, a donné le bon exemple et tous les ministres ont suivi et nous appelons, nous continuons d'appeler les populations à se faire recenser avant le terme fixé au 30 avril. Ça nous permettra d'avoir une cartographie de la population et de pouvoir adresser des politiques publiques cohérentes, pertinentes. Voilà ce que je peux dire en attendant et que nous pourrons éventuellement... Qu'est-ce que le citoyen doit comprendre lorsque vous faites la relation avec le RAVIP notamment, que les microcrédits prennent un coup d'arrêt en attendant la fin de l'opération du RAVIP? Pas du tout, ce n'est pas le but de mon propos. C'est pour dire que tout en les exhortant à se faire enrôler, au niveau des microcrédits comme d'autres mécanismes d'accompagnement des bénéficiaires, il s'est révélé important de voir ce qui n'a pas fonctionné et d'améliorer. Et les programmes d'accompagnement vont reprendre là de plus belle. Marquer un temps d'arrêt pour observer, c'est ce qui relève de la démarche cohérente. Ce n'est pas du tout un arrêt. Les mots n'ont pas les mêmes acceptions. Arrêt ou stop ou ceci, je dis non, ça a été parce que les services, les structures de l'État ont continué à fonctionner. Normalement, nous avons des crédits, des encours qui sont en cours, procédons à des recouvrements, etc., en attendant que de nouveaux bénéficiaires ne rentrent en possession du fonds. Adidja Martis, c'est vous qui aviez lancé notamment les microcrédits précisément dans le département du Zou. Comment ça évolue? Est-ce que c'est de département par département? Est-ce qu'il y a des régions pilotes qui sont ciblées? Expliquez-nous. Merci beaucoup. Avant d'en arriver là, je voudrais dire que j'ai écouté tout à l'heure les citoyens qui sont intervenus et je comprends leur impatience. Mais je voudrais leur dire ceci, 2 ans c'est beaucoup, mais 2 ans c'est peu. Pour apprécier les actions du gouvernement. Parce que vous le savez, la plupart des projets qui ont été conduits dans notre pays, les actions qui ont été menées, n'ont pas pu connaître une pérennisation du fait que la conception a été précipitée. Et toutes les bases n'étaient pas en place pour pouvoir mener, disons, ou exécuter ces projets. Le chef de l'État actuel, c'est un homme méthodique. Donc actuellement, le gouvernement est en train de travailler à la conception des projets. Beaucoup de projets, la conception de beaucoup de projets sont d'ailleurs presque finalisés et une feuille de route est en train d'être élaborée pour chaque projet. Parce qu'il souhaite que lorsqu'il va mettre quelque chose en route, même quand il ne sera plus président, que cela puisse vraiment perdurer. Bientôt, vous allez constater les fruits de tout ce que le gouvernement a prévu dans son programme d'action. Lorsque vous dites bientôt, est-ce que le Béninois simple qui nous suit peut savoir quand? D'autres vont commencer à court terme, d'autres à moyen terme, d'autres à plus long terme. Mais les choses vont commencer à se réaliser. Parce que le président, c'est lui-même qui a la tête de la conception, j'allais dire, d'un certain nombre de projets. Il suit tout et... Vraiment, il met de l'ordre et de la rigueur. Et nous-mêmes qui travaillons avec lui, nous apprenons de lui et nous savons que quand nous allons lancer l'exécution d'un certain nombre de projets ou l'exécution d'un certain nombre d'actions, les Béninois vont constater que le Bénin est en train de renaître. Ce que nous allons commencer, ça va perdurer. Est-ce une façon de dire à Adigatou Matisse que le meilleur reste à venir? Oh, c'est le cela? Meilleur, s'il y avait un mot meilleur, je dirais plus encore, mais le meilleur reste à venir. Qu'est-ce qui peut se faire, par exemple, en 2018, si nous sommes en 2018? En 2018, par exemple, et on a déjà parlé de la question de l'énergie, de l'eau. En 2018, je sais que l'asphaltage va commencer. Je sais également que pour le microcrédit, il va avoir un peu plus d'extension avec la sécurisation, parce que ma collègue l'a dit tout à l'heure. Il y a des SFD qui me pardonnent. Lorsqu'ils écrivent qu'ils ont fait un prêt à telle personne, lorsque la vérification intervient à un moment donné, la personne n'a réellement pas reçu l'argent. Donc la digitalisation permettra, comme elle a dit,
d'avoir une traçabilité et de permettre que la personne qui doit bénéficier du crédit bénéficie effectivement de ce crédit. Ça va faciliter aussi le remboursement. Mmh. On va peut-être donner la parole au ministre des Affaires sociales et de la Microfinance. À l'étape actuelle, est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution que vous avez notée dans la mise en œuvre du programme Microcrédit Nouvelle Génération? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord revenir pour dire que les nombreuses plaintes que nous recevons de la part de la population sont pour moi une dénonciation de 10 ans en arrière. Parce que si le social avait été conçu comme ce que nous voyons en ce moment être en train de se faire, il n'y aurait pas de plaintes. En ce moment-ci, il n'y a rien d'aléatoire, rien de précipité, rien d'improvisé. Tout est fait en toute responsabilité. En toute responsabilité. Alors, si on avait eu des cas du genre, aujourd'hui, on ne serait pas en train de se plaindre du social. Parce que le social, aujourd'hui, comme l'a dit déjà mon collègue, ce n'est pas de la distribution de l'argent, ce n'est pas l'instrumentalisation des populations, mais c'est leur apprendre à s'autogérer, à sortir de la précarité, à les accompagner par des moyens pour qu'ils soient indépendants et ne soient pas comme dans une forme de mendicité. D'accord. Quelles autres actions palpables, visibles, ont été réalisées durant ces deux ans de gouvernance sociale du président Patrice Talon pour impacter considérablement la vie des Béninois? Je dirais, le problème sérieux que nous avons, que nous rencontrons, c'est que le président Patrice Talon ne veut pas jouer aux populistes. Il ne veut pas qu'on pense que ce qu'il est en train de faire, c'est pour recevoir des applaudissements de la population. Et on a besoin de visibilité, on a besoin de savoir c'est exactement. Pour cela, je voudrais revenir sur deux projets principaux que mon secteur, le secteur des affaires sociales et de la microfinance a piloté, à savoir le programme d'autonomisation de la femme, d'autonomisation économique de la femme et la promotion du genre, et le programme de protection des couches vulnérables. Ces deux projets inscrits au PAG qui ont connu le jour en 2017 ont reçu un montant de plus de 4 milliards. Et des actions ont été menées à travers tout le territoire national pour accompagner les femmes. Est-ce qu'on a des chiffres du nombre de femmes qui ont été, par exemple, impactées en 2017? Est-ce qu'on a des chiffres? On a des chiffres. Nous avons 341 groupements de femmes qui ont reçu des équipements. Et c'est des groupements de femmes de 25 personnes. Si vous multipliez, vous voyez déjà combien de personnes ont été impactées. Et en dehors de ces gens qui sont impactés, nous savons que la cellule familiale la moins nombreuse dans notre pays, c'est peut-être 4 personnes. Mm-hmm. Multiplié par 4, ça veut dire que c'est beaucoup de gens qui ont été impactés. Encore qu'ailleurs, c'est beaucoup plus que 4 personnes. Donc, ce projet-là, qui a été réalisé, a impacté beaucoup de gens, à savoir des groupements qui existent et qui font de la transformation dans les matières premières locales, à savoir le maïs, l'arachide, le karité, l'ananas, pour ne citer que ceux-là. Également, des jeunes filles ont reçu de l'accompagnement pour s'investir, par exemple, dans le perlage, métier de perlage, et les personnes handicapées également. Ce n'est pas certainement beaucoup, mais ce n'est pas rien. Et tout cela s'est passé, et on ne peut pas dire que dans le social, on ne fait rien. En dehors de ça, c'est que dans notre pays, il y a des gens indigents, vraiment indigents, alors qu'ils ont une famille. Et le PSDCC
C'est un programme également de services déconcentrés communautaires, logés au niveau du ministère de la décentralisation, mais qui a un volet social, des filets sociaux, et qui accompagne les ménages pour leur permettre de survivre. Et beaucoup de ces gens-là témoignent du bienfait de ce que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de faire, mais sans tapage et sans grand bruit. Et je crois que quand cela va remonter, parce que nous sommes à la première phase de ce PSDCC, et nous montons bientôt la deuxième phase, financée et soutenue par la Banque mondiale, qui va impacter plus de monde que ce que je viens de dire. Madame le ministre, vous avez démontré tout à l'heure que ces femmes se lancent dans des activités génératrices de revenus. Comment se fait le choix des métiers? Est-ce laissé à leur bon vouloir ou le ministère travaille dans cette coordination également? J'ai dit tantôt que c'est déjà des groupements reconnus qui travaillaient déjà, que nous appelons peut-être des emplois indirects, parce que ces gens-là travaillaient déjà. On est venu les appuyer. Il y en a qui ne faisaient rien, qu'on peut dire que c'est des emplois directs. J'ai parlé tantôt des jeunes filles en matière de perlage. Le répertoire se fait à la base. Les centres de promotion sociale que nous avons, il y en a 85, dans le pays, recense. Les groupements se rapprochent de ces centres, se font connaître et nous avons un répertoire national. Et c'est suite à ce répertoire que nous savons quelles sont les activités que mènent ces femmes, ces groupements de femmes et allons les appuyer pour améliorer leurs activités génératrice de revenus. Alors, Modeste Kérékou, il y a également à votre niveau le FNPEJ rénové. On parle notamment d'un plafond de 200 000 à octroyer aux jeunes entrepreneurs pour un premier prêt. De toute façon, quel est le bilan qu'on peut faire à ce niveau-là? Merci, madame la journaliste, de me permettre de parler sommairement des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui se trouvent au niveau du département dont j'ai la charge. Ce que vous étiez en train d'évoquer tantôt, madame journaliste, c'est beaucoup plus le projet PEJ, projet emploi des jeunes, qui est un projet que l'Agence nationale pour l'emploi conduit sous financement de la Banque mondiale. Là, il ne s'agit pas de prêts, il s'agit de subventions que nous apportons aux jeunes, disons peu ou pas qualifiés, qui ont besoin quand même de s'autonomiser, de se prendre en charge. C'est près de 17 000 jeunes qui seront accompagnés. C'est beaucoup plus des jeunes dans le secteur de l'artisanat. L'artisanat dont j'ai également la charge. Et je dois préciser, téléspectateurs, que quand nous parlons du secteur de l'artisanat, c'est oui, au Bénin en tout cas, c'est oui. Branches, 42 corps de métiers et 311 métiers dans l'artisanat au Bénin. L'artisanat, c'est le deuxième corps social qui emploie le plus de monde après l'agriculture. Et l'artisanat au Bénin contribue pour 13% à la formation du produit intérieur brut. Donc c'est une catégorie importante. Presque tous les métiers dont nous avons besoin pour notre quotidien se retrouvent dans ce secteur-là. Le gouvernement a décidé d'aider les jeunes à s'installer en leur octroyant une subvention non remboursable de 200 000 francs. Mais à quel jeune? Vous avez parlé tantôt de la sélection. Quand cela avait commencé, des messages ont été passés dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, que les jeunes désireux n'ont qu'à se manifester pour s'inscrire. Vous avez communiqué suffisamment. Suffisamment. Mais comme beaucoup de choses dans le pays et que certains oiseaux de mauvais augure tentent toujours à tout dévoyer, beaucoup n'ont pas pris
l'appel au sérieux. Mais ceux qui ont quand même pris l'appel au sérieux, nous avons enregistré plus de 70 000 postulants. Plus de 70 000. Ils ont été enregistrés dans la base. Mais ça n'est pas terminé. Il y a bien une autre vague à venir. Il y a une autre vague. Et actuellement, 7 500 ont été sélectionnés dans les 77 communes. Pas un tirage au sort aléatoire en présence des maires de toutes les communes. J'insiste sur cela pour vous dire que cette opération n'a aucun relent politique ni politicien. Il y a de la transparence. En ce moment, les jeunes en question sont en train de recevoir leurs subventions. Ceux de l'OME Plateau ont reçu la leur pas plus tard qu'hier, où nous avons procédé avec Madame la représentante résidente de la Banque mondiale au lancement mise à disposition des subventions avec à la mairie d'Akpromisérété pour le compte des départements de l'OME et du Plateau. Le même exercice avait déjà été fait à Ndali pour le compte des départements du Borgou et de la Liborie, à Tukuntuna pour le compte du département de la Takora et de la Donga. La semaine prochaine, nous serons à Toribo-Sito pour lancer dans l'Atlantique et le littoral, et enfin à Tiémé pour le Mono et le Koufo. C'est pour dire quoi, madame? C'est près de 1,5 milliard de francs qui sont directement versés dans l'économie locale, parce que ces jeunes-là sont dans les arrondissements, dans les communes. C'est pas seul, parce que quand nous parlons de l'accompagnement des jeunes ou bien du panier de la ménagère, comme certains intervenants tantôt, c'est pas qu'à Cotonou. Donc, dit que le gouvernement ne fait rien ou le social on ne sent pas encore, je vais vous dire que beaucoup de choses se font, mais comme on le dit, le bien ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas du bien. Mais vous avez l'occasion de nous dire les grandes réalisations au niveau du ministère, du ministère que vous dirigez. Quelles sont les actions fortes que le gouvernement du président Patrice Talon a mené? Il y en a beaucoup, madame. J'ai la charge du ministère des PME, de la promotion de l'emploi. Et ce qui se fait quand le président, les trois paliers du programme d'action du gouvernement, je vais vous citer le pilier numéro 2, les trois piliers. Engager la transformation structurelle de l'économie. Quand on a la charge des PME, cela revient à quoi? C'est qu'est-ce que le gouvernement fait? C'est des réformes déjà au plan législatif. Parce qu'il n'est pas du rôle de mon ministère d'aller gérer les entreprises des gens. Il y a beaucoup de réformes législatives qui se font. Il y a beaucoup d'incitations qui sont créées pour les promoteurs des PME, etc. Il y a beaucoup d'avantages qui leur sont accordés par le biais de la loi de finances. La loi de finances gestion 2018, par exemple, a prévu beaucoup de choses pour les chefs d'entreprise. Nous les avons rencontrés avec les différents services du ministère des Finances pour leur présenter les niches d'opportunité et les secteurs qui sont les secteurs porteurs qui peuvent se saisir. Cela peut-être de rappeler ces niches d'opportunité à ceux qui nous écoutent, nous suivent et de dire à ces jeunes comment avoir accès justement à ces avantages-là. Les PME qui officient par exemple dans le secteur de l'agro-business, de la transformation et de la production, toutes sortes de spéculations, par exemple, quand le gouvernement institue et généralise les cantines scolaires et décide de généraliser dans plus de 1500 écoles. C'est plus de 350 000 jeunes écoliers à nourrir. Il faut les vivre. Quand le gouvernement décide que la priorité est aux producteurs locaux pour ce marché, pour des marchés comme les armées, les universitaires, les universités, les camps militaires, etc., les prisons, c'est des affaires, c'est des débouchés que nous offrons aux producteurs qui s'en saisissent, loin de toutes les caméras, loin de tout bruit. Pour les PME, par exemple, qui s'intéressent au marché public, quand le gouvernement dit qu'il faut payer prioritairement tous les prestataires de l'État qui ont des factures allant de 1 à 10 millions prioritairement, quand, par exemple, le gouvernement décide que 50 à 80% de la commande publique doit être réservée aux producteurs locaux. Je veux parler, par exemple, dans le domaine toujours de l'artisanat. Tout ça, c'est des opportunités. Et pour les grands travaux, comme vous en voyez, l'asphaltage qui va commencer, les infrastructures là au port de Glodjigbé, quand le gouvernement décide que les grandes firmes, les grandes compagnies qui font référence dans leur secteur, qui gagnent des appels d'offres pour réaliser
ces travaux en raison de leur spécificité, de leur technicité, mais le gouvernement recommande ou impose carrément qu'il faut que ces entreprises sous-traitent avec des entreprises locales installées qui emploient des Béninois. Vous voyez que c'est autant d'opportunités. Le rôle de mon département est de porter la nouvelle, les informations à l'endroit des chefs d'entreprise, chacun en ce qui le concerne, pour qu'ils s'organisent pour pouvoir capter toutes ces importantes ressources. Notre crainte, madame le journaliste, et je permettez que je profite de votre plateau pour le dire, c'est que nos entrepreneurs ne s'organisent pas suffisamment pour saisir toutes ces opportunités. J'ai presque envie de dire que c'est le moment plus que jamais où il faut faire des affaires et de bonnes affaires, qu'il faut gagner de l'argent au Bénin. Et je voudrais dire que nous sommes disponibles. Ils vont en rang dispersé ou qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous voulons dire par là d'abord qu'il faut que les chefs d'entreprise, les promoteurs sachent qu'il y a des structures de l'État, l'APIEX, le ministère, d'autres agences. Il faut qu'ils se rapprochent des structures de l'État pour rechercher la bonne information. Le ministère du cadre de vie, l'agence du cadre de vie, il y a beaucoup de mises en chantier. Ma collègue venait de le dire tantôt, qui vont commencer incessamment. Mais il y a qui a des procédures, il y a qui a des mécanismes qu'il faut connaître pour pouvoir, vous ne serez pas chez vous quand vous allez gagner une affaire, un marché, une commande publique. Donc c'est ce qui me semble qui n'est pas toujours perçu et de manière répétitive, on semble dire qu'on ne voit rien venir. Là, nous sommes déjà à presque 1 milliard de subventions mises à la disposition des bénéficiaires, mais de manière pertinente et cohérente. Ce n'est pas des gens qu'on a rassemblés comme ça pour distribuer de l'argent. Ils sont venus, et même, permettez que je le dise et que j'insiste, et ils ont suivi une formation. Ils ont suivi une formation pendant une bonne période, ils ont élaboré des fiches de financement. Nous le faisons avec nos partenaires de la Banque mondiale qui y veillent aussi de toutes les manières. Donc, c'est ce que la collègue disait tantôt, c'est beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus cohérent. Et tout ça est fait sous le leadership du chef de l'État qui veille à ce que nous ne puissions pas faire, disons, du folklore, mais nous puissions adresser à des cibles bien précises un certain nombre de programmes cohérents. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le ministre, il y a peut-être des susceptibilités parce qu'on n'arrive peut-être pas à quantifier tout ce que vous venez de démontrer, non? Vous avez évoqué deux piliers importants qui relèvent de votre ministère, les PME, les petites et moyennes entreprises, mais également le PEJ, le projet pour l'emploi des jeunes. On vous a vu, d'ailleurs, vous l'aviez dit à Ndali, où 77 artisans ont bénéficié de cela. À la date d'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de bénéficiaires? Combien sont-ils? Je vous disais tantôt que sur l'ensemble de l'opération, c'est 17 000 personnes qui seront impactées sur toute l'étendue du territoire national. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est une première phase de 8 500. Des 8 500, nous avons déjà pu toucher les 2 000 et quelques du Borgo à Libori, les 1885 de l'Atakora d'Anga, les 3000 et quelques de l'Ouémé Plateau. Il ne nous reste plus que 4 départements, disons, l'Atlantique littoral, qui seront faits la semaine prochaine, et Mono-Koufo. C'est très concret, c'est très factuel. C'est 200 000 francs par personne et c'est des subventions non remboursables. L'ANPE, qui est une autre agence de mon département, qui conduit aussi d'importants programmes comme le programme d'appui à l'emploi salariés, mais offre la possibilité à des jeunes d'avoir les premières expériences professionnelles. Pour le compte de l'année 2017, nous avons mis en stage auprès de différents partenaires de l'administration publique comme privée plus de 1000 jeunes pour leur permettre de se faire la main. C'est des stages d'un an renouvelables qui sont, je ne vais pas dire rémunérés, mais au moins désintéressés. Le but, c'est de leur permettre de se faire de l'expérience pour se soustraire à cette difficulté où il est souvent reproché qu'ils n'ont pas d'expérience. Pour 2018, c'est à peu près 1500 jeunes qui seront impactés. Mais ce que nous faisons, c'est de dire et de faire comprendre aux jeunes que l'emploi salarié va être de plus en plus difficile à trouver et qu'il faut plutôt reformater le logiciel mental pour que nous puissions, nous jeunes, nous puissions
plus nous apprêter à aller vers l'auto-emploi, vers l'entrepreneuriat. Vous parlez donc du PAES, le programme d'appui à l'emploi salarié. Effectivement, l'intention, c'est cette réinsertion des primo-demandeurs d'emploi, dites-vous, dans les administrations publiques, mais également privées. Que vont-ils devenir après les 6 mois de stage renouvelables une seule fois? Ce qu'ils vont devenir, monsieur le journaliste, vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire la langue de bois. Quand nous les envoyons dans ces administrations, mais les meilleurs, en fonction des besoins de ces administrations, sont récupérés, sont gardés. Les offres leur sont faites parce qu'il n'y a pas que les administrations publiques. Il y en a aussi dans le privé. Mais n'allons pas nous voiler la face ici. Il n'est pas possible de garder tout le monde. Donc, c'est le moment où chacun doit laisser révéler le talent qui est en lui, montrer à la structure qu'il accueille. Quel est l'intérêt de cette structure à le garder. Et concurremment à cela, mais développer d'autres stratégies pour se dire, au cas où je ne suis pas retenu, mais je fais quoi? Il me semble que là, il y a encore l'auto-emploi. C'est de regarder, et le chef de l'État le disait à bon escient, que chaque Béninois est rempli de talent. C'est le moment que chaque Béninois, chaque jeune, laisse éclore le talent qui sommeille en lui. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est compris. Hadidja Tou, Mathis, vous êtes le patron, on peut le dire ainsi, ou la patronne des fonctionnaires au Bénin. On a annoncé pas mal de recrutements pour le quinquennat du président Patrice Talon. À la date d'aujourd'hui, quel bilan on peut faire? Merci. Avant de venir à votre question et pour compléter mes collègues, je voudrais dire ce qui va démarrer en 2018. Il y a la construction aussi d'un hôpital de référence à Bomi-Calabi. Nous avons la réhabilitation des hôpitaux qui va bientôt démarrer. Il y aura le démarrage de la construction d'un certain nombre de marchés. Et beaucoup de projets vont commencer à être exécutés en 2018. Et sur le plan social, je voudrais également compléter mes collègues en disant qu'il y a un autre projet important que le gouvernement a mis en place, qui est intitulé le PPCV, Programme de protection des couches vulnérables, et qui vient en aide aux orphelins, enfants vulnérables, les personnes de troisième âge, les personnes handicapées, qui sont appuyées soit dans leur métier, soit pour les soins, les consultations médicales, surtout pour les personnes de troisième âge, l'achat de médicaments, et les enfants, l'achat de kits scolaires, l'accompagnement nutritionnel, etc. Je crois que c'est un projet de... sur toute la période quand même de plus de 3 milliards. Et vous avez constaté depuis l'année dernière que ça a commencé à se dérouler. Concernant l'emploi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'insuffisance, disons, dans la promotion de l'emploi de notre pays. Et le gouvernement s'est attelé à élaborer une politique nationale de l'emploi pour avoir une cohérence dans tout ce qui va se faire également dans ce domaine. Disposer des statistiques et pouvoir placer les gens parce que la création des emplois dans le cadre de la réalisation du péage, vous avez parlé tout à l'heure de 5 000 emplois, des emplois vont naître avec la réalisation des projets. 500 000, on a dit. Donc des emplois vont naître. Il est question de préparer les jeunes à occuper ces emplois qui vont bientôt naître avec le démarrage d'un certain nombre de projets. Au niveau de mon ministère, vous avez parlé du recrutement, c'est vrai. C'est un peu du social aussi parce que depuis l'avènement du régime de la rupture, nous avons recruté plus de 7 500 personnes, je dirais diplômées sans emploi. Mais la particularité de ce recrutement, c'est que nous l'avons crédibilisé. Nous avons crédibilisé les recrutements, je veux dire. Nous avons procédé à l'informatisation du processus de recrutement. Depuis la gestion des dossiers, en passant par les corrections, l'anonymat, jusqu'à la délibération, on a informatisé le processus. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, au Bénin, ce n'est pas forcément l'enfant du ministre qui va réussir, ou d'un DG, ou d'un Richard, c'est l'enfant méritant. L'égalité des chances, alors. L'égalité des chances. Aujourd'hui, votre enfant travaille, fait partie des meilleurs, il sera recruté. Et je crois là aussi que c'est quand même un mérite du gouvernement. En dehors de ça, je dirais que nous travaillons à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas parler de l'augmentation des salaires, réduire les tracasseries des travailleurs
et réduire le gaspillage de ressources. Vous savez, nous avons commencé un certain nombre de réformes au niveau de mon département. Il y a d'abord l'accès à l'information sur votre carrière. Vous êtes à Tukuntuna, vous pouvez accéder à l'Internet en cliquant sur un lien sur votre portable. Vous pouvez connaître votre dernière situation administrative. Non seulement vous pouvez connaître la dernière situation administrative, nous avons une plateforme de démarches administratives donc, qui vous renseigne et une plateforme qui vous permet de procéder au tirage de vos actes. C'est-à-dire? Vous avez un acte qui a été pris, par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous avons mis en ligne tous les actes qui ont été pris en 2014 et 2018, par exemple. C'est vrai, au niveau de 2014, il reste encore quelques-uns. D'accord. Lorsque vous êtes à Bembereke ou à Djoum, vous pouvez accéder à Internet, tirer les actes qui vous concernent, sans avoir à vous déplacer sur des kilomètres. On peut le faire en ligne. On peut le faire en ligne. Donc, en dehors de ça, nous sommes en train de travailler à la dématérialisation des procédures de gestion des ressources humaines. Donc, désormais, qu'il s'agisse de l'avancement d'échelons, de grades, de reclassement, de promotion, tout cela sera dématérialisé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu réaliser la dématérialisation de l'avancement d'échelons et dans les 3 prochains mois, tous les autres processus seront également dématérialisés pour réduire les tracasseries aux usagers et surtout aller vers la modernisation de l'administration. Voilà. Lutter contre la corruption? Surtout parce que l'informatisation permet de réduire les contacts humains entre les usagers clients et nos agents. Aujourd'hui, dans notre ministère, il n'y a plus beaucoup de monde qui circule. Lorsque vous voyez des gens aller venir, pour les 4/5, ce sont les agents du ministère. Mais il n'y a pas que ça. Nous travaillons aussi à réaliser, disons, un système intégré de gestion du personnel de l'État, fichier unifié du personnel de l'État. C'est-à-dire? C'est un système informatique transversal et qui permet, disons, de réunir toutes les données du personnel de l'État, d'avoir une base de données unique. Et les piliers au niveau des ministères, c'est le ministère du Travail et de la Fonction publique, c'est le ministère des Finances. Nous allons réaliser ce fichier et il y aura des terminaux au niveau des services publics et les agents de l'État pourront également accéder à ces informations-là, sans qu'on ait à trimballer les papiers, à déposer des dossiers, etc., avant de pouvoir bénéficier, disons, de la gestion de sa carrière. Mais ce que nous avons réalisé jusqu'à présent, je parlais des termes, je voulais parler d'interface, le mot m'est revenu. Ce que nous avons réalisé à présent, parce que c'est le point de départ, c'est la nomenclature nationale des corps de la fonction publique. C'est un répertoire qui permet à l'État, disons, de préciser les postes, les profils et de pouvoir vraiment cerner tous les corps de la fonction publique avec un schéma type. Et c'est à partir de là qu'après, on pourra réaliser ce fichier national. Cela nous a permis de savoir qu'aujourd'hui, nous avons 247 corps de la fonction publique. Donc, nous allons réaliser cela avec la codification qui a été faite par l'INSAE. Et ça nous permettra à brève échéance, parce que l'Union européenne est en train de se positionner pour réaliser ce fichier avec nous, le PNUD et d'autres partenaires. À partir de là, on va complètement moderniser la gestion du personnel de l'État. Donc moderniser et réduire surtout les tracasseries et faire des économies aux agents de l'État. C'est là aussi important. Avec des plateformes, accès à ces informations-là, il va se poser l'équation accès à Internet. Comment est-ce que le gouvernement est en train de résoudre cette équation-là? Très bien. Je crois que vous allez recevoir le ministre, si vous n'avez pas encore reçu, de l'économie numérique. Le gouvernement sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer un pays sans évoluer dans le numérique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et je crois que sans tarder, on pourra accéder à Internet partout, surtout sur toute l'étendue du territoire national. Alors, voilà, Modeste Kérékou,
la politique globale de l'emploi, la politique nationale d'emploi. Madame Adidjatou Matisse en a parlé un tout petit peu. On le sait, le Bénin produit un nombre important aussi de diplômés chaque année. Comment peut-on absorber ces diplômés et éviter, pourquoi pas, si je puis me le permettre, la bombe à retardement, un peu comme on l'a vu avec le printemps arabe? Comment on fait? La politique nationale, vous faites bien d'en parler, est en cours d'adoption au niveau du gouvernement parce que toutes les consultations, une étude nationale a été engagée avec toutes les parties prenantes, que ce soit les universitaires, les formateurs, le monde économique, etc. Donc elle est en cours d'adoption pour que nous puissions avoir une vision globale qui permet d'intégrer tous les paramètres. Je dois vous dire que pour le gouvernement du président Talon, la question de l'emploi est vue de manière holistique. Nous ne pensons pas que l'emploi se décrète. Nous pensons que c'est la bonne coordination de toutes les interventions au niveau de l'État qui, in fine, va faciliter la création de l'emploi. Et nous pensons, et je voudrais le dire avec force, qu'il est du rôle du secteur privé de donner de l'emploi. Voilà pourquoi il est. Des efforts importants sont faits pour assainir et faciliter la création des entreprises. Quand j'ai dit cela, ça, c'est pour ce qui va venir. Que faisons-nous du stock qui est là? Justement, nous développons, j'allais dire, une stratégie à double détente. Premièrement, ce qui est là, les jeunes diplômés ou non qui sont là, nous les accompagnons par des instruments étatiques qui existaient, mais que nous renouvons. Le FNPEJ, le PEJ, l'ANPE ont des mécanismes pour faciliter l'insertion des jeunes. Nous pensons qu'il faut insister sur l'entrepreneuriat des jeunes. Mais à plus long terme, il sera question, peut-être le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle vous en dira plus longuement, il sera question de changer totalement de paradigme et de rabattre les cartes et de voir quelles sont, dans quelle direction il faut aller. Est-ce qu'il faut continuer de former comme nous formons là? Est-ce qu'il faut continuer de délivrer certains diplômes ou bien est-ce qu'il vaut mieux éviter certaines formations, instaurer de nouvelles, c'est vers cela que la politique nationale de l'emploi va nous permettre de déboucher. Mais effectivement, il y a urgence à gérer le stock qui est là et le président Talon nous donne les moyens qu'il faut, en tout cas au niveau de notre département, pour un certain nombre d'agences, pour que nous puissions offrir des opportunités aux jeunes. Mais là, la balle est encore dans le camp des jeunes. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas rester là et attendre tout, que tout tombe du ciel ou vienne du gouvernement. Il faut encore que nos jeunes prennent conscience de la situation. Prennent conscience de l'aménagement de d'offres d'emploi salariés et comprennent que nous allons plutôt vers l'entrepreneuriat et que dans l'entrepreneuriat, on peut tout aussi bien gagner sa vie. C'est pour ça que nous allons mettre les mécanismes nécessaires en place pour célébrer aussi les jeunes béninois entrepreneurs pour de telle manière qu'ils puissent servir d'exemple et puis qu'ils puissent donner à d'autres l'envie de faire comme eux. Je l'avais dit, je vais le redire parce qu'il est important, la répétition est pédagogique. Le chef de l'État l'a dit à sa suite, je voudrais le dire aussi, en chaque Béninois, le Béninois pris individuellement, regorge de talent et de dynamisme. Il est venu le moment où chacun doit laisser éclore son talent, son dynamisme, se rapprocher de nos administrations pour savoir, selon le cas, quels sont les mécanismes d'accompagnement pertinents qui existent et par quel procédé en bénéficier. Merci d'abord peut-être parler de l'Arche. De l'Arche, voilà. Cette niche sociale sur laquelle le gouvernement se penche. On sait que l'état des lieux n'est pas reluisant, malgré le Fonds national de retraite du Bénin, malgré la Caisse nationale de sécurité sociale, malgré la mutuelle de sécurité sociale et autres mutuelles.
Nous en sommes encore à 20% en termes de couverture. Le gouvernement du président Patrice Talon, donc à l'opposé du RAMU, ou pas peut-être à l'opposé, vous allez le démontrer tout à l'heure, a donc innové avec l'Arche, l'assurance pour le renforcement du capital humain. D'abord, pourquoi? Oui, merci beaucoup. Et avant de répondre à la question de Arche, je voudrais ajouter que en matière d'emploi, le gouvernement du président Patrice Talon, en faisant le choix de la finance digitale, a déjà créé près de 9 500 emplois qui reviennent d'office à des agents utilisateurs des terminaux de paiement électronique. Ils ont été recrutés, ils ont été formés et seront bientôt mis sur le marché de l'emploi comme des micro-entrepreneurs, comme des entrepreneurs qui vont s'auto-gérer. Ce n'est pas rien. Je voudrais également apporter la précision que, en ce qui concerne le programme de protection des couches vulnérables, et ce programme a déjà impacté près de 3 800 orphelins, dont 1 800 infectés par le VIH-Sida. Ensuite, les personnes du troisième âge qui n'ont plus de force et les personnes handicapées, le même projet a impacté plus de 1 500. Ce n'est pas rien et c'est dans un pour un montant d'environ 3 milliards, comme l'a dit tantôt ma collègue. Ces choses-là sont peut-être passées inaperçues, mais c'est le lieu de rappeler que ça existe, ça s'est passé. Et ce n'est pas loin, en 2017. En ce qui concerne les filets sociaux, près de 13 000 ménages ont été impactés pour un montant de plus de 2 milliards 300 millions. Maintenant, en revenant au projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, qui est l'un des projets prioritaires, les projets phares sur les 45. Et le chef de l'État a une vision futuriste pour le citoyen béninois. C'est une occasion que nous devons saisir pour mettre en place et appliquer ce qui va se faire. C'est une innovation. C'est quoi l'Arche? Pour le Béninois qui nous suit actuellement à Kandi, à Parakou, à Bassila, c'est quoi l'Arche de façon précise? Je ne passerai pas sans expliquer ce que c'est que Arche. Comme je l'ai dit, Arche, c'est assurance pour le renforcement du capital humain. Arche, c'est une innovation, c'est un projet du président Patrice Talon. Le premier service, c'est l'assurance maladie pour tous, obligatoire pour tous, mais prise en charge de façon intégrale, de façon gratuite pour les pauvres extrêmes et à un certain pourcentage pour les pauvres non extrêmes. Le second volet, c'est microcrédit. Microcrédit aux plus pauvres, c'est-à-dire c'est sortir les citoyens de la précarité, leur donner les moyens de financer leurs activités pour quitter l'étape de la précarité et évoluer vers une étape supérieure. C'est également la formation. La formation parce qu'il faut être professionnel, il faut apprendre un métier et ce volet connaît également une place primordiale dans Arche. C'est également la retraite. Nous savons que dans l'informel, les gens ne pensent pas à leur lendemain. Ils ne pensent pas à ce que demain sera, alors que nous évoluons et nous grandissons, nous vieillissons. Même si nous travaillons à un moment donné, être riche, si nous ne pensons pas à demain, nous pouvons tomber plus bas. Alors, le système de retraite pour
tous ceux qui travaillent, qui évoluent dans l'informel, est établi. Il n'est pas obligatoire, c'est un choix. D'accord. Si vous choisissez de vivre votre retraite dans des conditions minables, c'est à vous de faire ce choix-là. Mm-hmm. Là, ce n'est pas obligatoire, mais nous savons que dès que ce sera mis en place et que ça marchera, beaucoup de gens viendront. Avec l'âge, donc, désormais, l'artisan peut bénéficier d'une protection sociale. Oui. L'artisan peut bénéficier d'une pension à la retraite. Parce qu'il aura cotisé pour. D'accord. Il aura cotisé pour. Et moi, je dis que ARCHE, c'est la prise en compte du citoyen depuis la naissance jusqu'à sa vieillesse. Vous naissez, vous êtes inscrit au RAVIP, par exemple, vous êtes déclaré, vous pouvez avoir accès. Si vous êtes issu d'une famille pauvre, vous aurez les soins gratuits, d'accord, les médicaments gratuits. Beaucoup disent, certains, les façons qu'il y avait déjà le RAMU. L'ARCHE vient compléter le RAMU ou vient en contradiction au RAMU? Adidia Toumartis. Vous aviez géré ce dossier. C'est vrai. Est-ce que le RAMU a été créé mais n'a pas survécu? Je ne sais pas s'il y a une centaine de citoyens qui ont véritablement bénéficié du RAMU. À peine né, qu'il a disparu. ARCHE vient, je ne dirais pas remplacer le RAMU, mais en mieux. Mmh. Améliorer un améliorer, peu. Oui, améliorer. Et ARCHE s'adresse surtout aux acteurs du secteur informel, parce que c'est surtout eux qui sont laissés pour compte, les fonctionnaires d'une manière ou d'une autre, dans les 4/5 qui sont pris en charge par l'État, au niveau du privé aussi, les agents. Souvent sont pris en compte pour une assurance maladie. Donc, c'est surtout les acteurs du secteur informel qui sont laissés pour compte pour l'assurance maladie. Or, une population qui n'a pas une bonne santé ne peut pas travailler au développement. Donc, vous avez les agriculteurs, vous avez les artisans, bien évidemment, les artistes, les travailleurs, etc. C'est surtout du secteur informel. C'est surtout à eux que ARCHE. Donc, avec ARCHE, le RAMU est enterré, voilà. Et il y a une loi qui va réglementer la chose. Mais à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir le point où en est son opérationnalisation, Madame Bintou Chabi Adam Taro? D'abord, je dirais que le RAMU s'est enterré de lui-même. Mais tout ce qui est en bien dans le RAMU, à savoir par exemple le personnel qui a travaillé dans le RAMU, certains continuent d'évoluer dans ARCHE. D'accord. Ça veut dire que l'expertise qu'ils ont pu acquérir est comptabilisée dans ARCHE. Maintenant, pour revenir... Le mode d'évolution de ARCHE. Comme nous l'avons dit, dans tous les projets du président Patrice Talon, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas du laisser-aller. Il faut aller sur du concret pour que ça soit durable dans l'avenir, pour qu'il n'y ait rien qui soit laissé pour compte. Il y a eu beaucoup d'études. Donc pour cela, il y a eu des études, aussi bien du côté de la microfinance, pour voir les liens que la microfinance pourrait avoir avec les microcrédits de ARCHE, du côté de la formation, pour voir quelles sont les articulations avec ARCHE, la formation actuelle, comment la rimer avec ARCHE. Il y a beaucoup d'autres fonds également, le FNPEJ. Comment le FNPEJ pourrait aller avec ARCHE, de même que du côté de l'agriculture, il y a un fonds, FNDA, le fonds d'aide à la culture, ainsi de suite. Un travail a été fait dans ce sens pour voir comment arrimer pour que les décisions ne se prennent pas à tous les niveaux, alors que ça doit concourir au même objectif. À l'étape de conception, donc, madame. En ce moment-ci, l'étape à laquelle nous sommes en dehors des études, nous sommes à l'étape de l'enrôlement, de l'identification des pauvres extrêmes et des pauvres non extrêmes. Il faut une base de données parce que nous comptons aujourd'hui environ 4 millions de pauvres
extrêmes et non extrêmes. 2 millions et quelques pour les pauvres non extrêmes et plus d'un million de pauvres extrêmes. Mais il faut actualiser pour savoir, sur la base de critères bien fondés, qui prennent en compte l'habitat, le lieu où les gens vivent, et comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent au quotidien, pour savoir si vraiment ils sont des pauvres, soit extrêmes ou non extrêmes, pour pouvoir les prendre en charge. D'accord. On voit bien là que l'Arche, de toute façon, va changer profondément la vie des milliers de Béninois, notamment ceux qui sont dans l'informel. Alors, 2 ans sont déjà passés, 3 restent à venir. Quelles sont les attentes des Béninois? Regardez. Qu'on écoute le cri des jeunes et des autres, et puis on pourra s'en sortir. Et que les gens donnent de bons conseils au chef de l'État. De bons conseils, c'est très important, et qu'ils soient réceptifs aux conseils. Il nous a desserré un peu, parce qu'il nous a trop serré, à un certain niveau, il nous a trop serré. Notre président, il n'a qu'à commencer par sortir. Et non de rester au palais pour envoyer les gens de venir interroger. Lui, il n'a qu'à sortir pour demander aux gens qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui ne va pas. Il ne faut pas qu'il reste là, sinon, ce n'est pas bon. Pour toute économie qui se veut émergente, il faudrait forcément accompagner les femmes. Il faut accompagner les femmes. Ce sont les femmes qui sont à la base de tout. On souhaite du courage au président. Une charge régalienne comme la sienne et de tous les autres présidents de la République, elle est noble, elle est lourde, mais elle est pénible. 3 ans, il reste encore 3 ans pour le président Patrice Talon. Quels seront les grands chantiers pour le reste du temps à parcourir? Merci beaucoup, madame la journaliste. En matière de communication, je dirais que sur le volet Arche, par exemple, nous faisons beaucoup de communication. Il est inscrit dans les activités du projet Arche de prendre langue avec tous les acteurs de façon inclusive. Nous avons déjà rencontré beaucoup les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, les acteurs de la santé pour leur expliquer et prendre avec eux leur contributions qui seront prises en compte pour améliorer ce que nous voulons faire. Les institutions seront bientôt rencontrées, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, pour leur expliquer et obtenir d'eux tous les éléments comme contribution pour que nous ayons un beau projet, un projet auquel adhère toute la population, les maires, ainsi de suite. C'est aussi de la communication. En matière de microfinance, nous sensibilisons sur les nouvelles méthodes. Personnellement, je suis allé dans le plateau, dans les collines et dans le Koufou pour essayer de parler aux femmes et leur dire ce qu'il faut faire désormais, non seulement pour bénéficier de ces microcrédits, mais également pour le remboursement et tout ce qui peut accompagner à la réussite de la microfinance ou des microcrédits qu'on leur alloue. Maintenant, pour les 3 ans à venir, j'ai cité les différents projets que nous avons déjà connus. Certes, il y a des choses que nous allons corriger. Pour ma part, la remise des équipements, du matériel ou l'attribution du matériel à des femmes, à des groupements de femmes pourrait se faire autrement. D'accord. Comme quoi, nous allons sur le terrain, au lieu de partir peut-être de la liste répertoriée par les CPS, si les CPS font parvenir, on va à la base, sur les lieux de travail, pour voir qu'est-ce qui se fait effectivement par rapport au groupement que nous avons identifié ou qu'on a identifié, qu'on a porté à notre connaissance. On les voit sur leur lieu de terrain. Plus de proximité. De proximité. On prend leurs
doléances, ce dont ces groupements ont besoin sur place. On peut venir et faire l'acquisition. On le remet sur place, à leur lieu de travail. C'est plus rassurant, c'est plus confiant. Et on peut revenir à une autre étape pour constater, entre le départ et la remise de matériel, qu'est-ce qui a pu évoluer, qu'est-ce qui a marché positivement. De cette manière, nous aurons non seulement l'assurance que le matériel qui a été remis, c'est leur besoin, ensuite que ça a été remis sur place et que ça ne bouge pas de là, et en dernier ressort, que ça a pu apporter un plus. Il y aura donc un travail de veille permanent. Oui, permanent. Nous pensons que si nous faisons ça de cette manière, ce serait bien. Mais autre chose, c'est d'aider aussi ces femmes à avoir des débouchés. Et mon collègue l'a dit tantôt, c'est les premiers producteurs au plan national. Et il a cité, par exemple, des institutions qui pourraient utiliser la production de ces femmes. Nous allons négocier pour voir dans quelle mesure leurs productions peuvent être réceptionnées, peuvent être achetées pour qu'on ne produise pas pour avoir ça sous les bras, ainsi de suite. Alors, Modeste Kérékou, en matière de promotion des petites et moyennes entreprises, c'est vrai que vous aviez cité beaucoup de chantiers ouverts, mais également de promotion de l'emploi. Je vais ajouter des jeunes. Qu'est-ce qui va se poursuivre? Qu'est-ce qui va se faire? D'abord, avant de revenir à mon sous-secteur, permettez que je dise que ce qui va se poursuivre, c'est que le gouvernement va rester fidèle à sa ligne de conduite, à son cap. Le président Patrice Talon et son gouvernement ne va pas varier son cap. Le PAG, c'est 45 projets phares, c'est 95 projets prioritaires, c'est 19 réformes institutionnelles. C'est important de revenir sur ces grands marqueurs pour que vous puissiez les suivre avec nous, pour qu'en son temps, nous puissions faire le point de la comptabilité. Donc, dire à nos compatriotes que le gouvernement va continuer à travailler sans désemparer. Les réformes vont se poursuivre avec certainement beaucoup plus d'impact. J'ai envie de dire, le chef de l'État est beaucoup plus pressé. Il est plus pressé que ceux qui sont intervenus. Peut-être qu'on ne le voit pas beaucoup sur le terrain, mais les fonctionnaires de l'État le savent. Tous les jours de la semaine, il anime des réunions thématiques avec les différents cadres, les différentes agences qui ont la charge d'un certain nombre de choses. Et vous permettrez que je prenne deux exemples simples pour que vous puissiez comprendre et que les téléspectateurs puissent comprendre ce qui se passe. Regardez l'entrée de Porto-Novo, le siège de l'Assemblée nationale. Là, gît à l'indifférence générale 45 milliards de francs CFA dans cet état. Peut-être qu'on va se débrouiller et finir comme on le peut. Plaise à Dieu un jour que cela ne s'écroule pas sur les honorables parlementaires. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris en son temps le temps de faire des études. On a besoin d'une assemblée, un nouvel hémicycle, c'est vrai. C'est un ancien député qui vous parle. C'est vrai qu'on a besoin d'un nouvel hémicycle, plus confortable, etc. C'est vrai que Porto-Novo est la capitale politique du pays. Mais quand on a dit ça, il faut quel hémicycle? Il est dimensionné comment? Avec quelle commodité, etc. Il n'y a aucune étude. Je mets quiconque au défi de me sortir aujourd'hui un plan précis. Même l'architecture du bâtiment, parce qu'il a beaucoup évolué. Quand on est dans l'improvisation, quand on est dans la précipitation, voilà ce que ça donne. Peut-être qu'il aurait fallu prendre 6 mois, 1 an pour faire des études, comme nous le faisons aujourd'hui, pour l'asphaltage, pour un certain nombre de choses. Peut-être qu'il aurait fallu mettre 2 milliards, 1 milliard, peut-être que je dis les bêtises, vous me pardonnerez, je ne suis pas un spécialiste du secteur. Non, vous demandez donc... Oui, non, laissez-moi finir. Pour que les téléspectateurs nous comprennent bien, pour que nous puissions faire remarquer ce qui se fait et peut-être pourquoi l'impatience parfois est à tort. Quand on n'a pas fait ça, un pays de la sous-région, un pays voisin, a un hémicycle, un nouveau siège du Parlement qui a coûté 19 milliards. Je vous ai dit, voilà dans quel état gît 45 milliards. Je voudrais peut-être que les journalistes vous vous intéressiez à ce genre de questions d'un peu plus près. Un deuxième exemple, je vous prendrai l'exemple de l'aéroport de Tourou. On va y aller très rapidement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais c'est important de le dire. Je ne sais pas
sur quelle étude pertinente, cohérente, quelles sont les compagnies aériennes qui ont dit qu'il y a un volume là-bas, qu'il y a des passagers à transporter, qu'il y a du fret, qu'il est nécessaire de faire un aéroport de cette dimension, des aérodromes, des choses comme ça. Peut-être il aurait fallu nous faire une autoroute à 2x2x3 voies pour que nous puissions rallier Cotonou à Parakou en disons en 2h30, que de faire cet aéroport où on a mis des milliards, mais à quelle fin? À quelle fin? Donc, c'est donc pour vous dire que... Vous prenez le temps pour mieux faire, pour bien faire. Naturellement, pour bien faire, il faut se donner le temps d'étudier. Parfois, on a des évidences. On pense que c'est ça, c'est ce qu'il faut. Mais c'est quand vous décidez d'affiner les études que vous pouvez trouver, ou les études vont révéler que ce qui était prévu n'est pas tout à fait ce qu'il fallait se faire. Quand j'ai dit ça, et pour revenir à votre question, dans le sous-secteur qui est le mien, celui... De la promotion des petites et moyennes entreprises, seules, créatrices par ailleurs de richesses et d'emplois pour les jeunes, mais c'est les opportunités, c'est là encore les réformes qui vont se poursuivre. Nous avons, sur les instructions du chef de l'État, engagé un dialogue avec nos collègues du ministère des Finances, surtout la direction des impôts, la direction générale des affaires économiques, pour que nous puissions évaluer chacune des mesures qui sont au profit des PME, et pour, il faut que nous puissions, et ça c'est de notre rôle, il faut que nous puissions proposer de nouvelles pour que les techniciens puissent les examiner. Nous allons proposer de nouvelles mesures avec les fêtières des PME pour que les techniciens puissent les examiner en lien avec d'autres contraintes de l'État pour que tout cela puisse concourir à l'épanouissement de nos entreprises. Avant de faire un dernier tour, on ne peut pas occulter la fronde sociale à Adidjat Martis au ministère du Travail et de la Fonction publique. Comment est-ce que vous êtes en train de gérer cette fronde? Comment évoluent les négociations entre le gouvernement et les acteurs sociaux? Merci, monsieur le journaliste. Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de revenir un peu sur Arch. Parce que beaucoup se disent, vous parlez de Arch, ça fait un moment. Je voudrais dire que Arch, il y aura une phase pilote qui va démarrer, je crois, au plus tard, courant premier semestre 2019. Je dis au plus tard. Parce que ma collègue a parlé de la mise en place d'une base de données pour pouvoir vraiment stratifier les populations, les pauvres extrêmes, les moins pauvres et ceux qui ont un minimum de moyens. Donc, ça va démarrer. Et Arch, c'est un coût de 313 milliards sur les 4 prochaines années. Et en même temps, le gouvernement est en train de penser à la pérennisation de Arch. Donc, les recettes, les ressources qui vont permettre la pérennisation de Arch, on est en train d'y travailler déjà. Concernant la fonte sociale, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, je parle de ceux qui sont en grève, nous sommes en train de nous flageller. D'arriérer notre pays. Ça fait deux mois de gaspillage de temps. Je comprends qu'il y a des besoins, je comprends qu'il y a des doléances, il y a des revendications, mais il y a la main tendue du gouvernement. Nous n'avons pas rompu le dialogue. En 2017, nous avons tenu toutes les sessions ordinaires, même des sessions extraordinaires. Cette année, nous avons repris les négociations. Et vraiment, j'ai l'impression que les syndicats, les organisations syndicales ne comprennent pas le gouvernement. Et comme je l'ai dit, quel gouvernement peut disposer de ressources pour satisfaire les doléances et les incidents financiers et ne pas le faire depuis deux mois pour laisser les enfants à l'école? Vous rassurez alors que ça n'est pas de la mauvaise foi, en fait. C'est une indisponibilité de ressources. Pas du tout. Je sais qu'il y a certains responsables syndicaux qui en ont conscience, mais qui sont en train de regarder la base, quelle sera l'impression de la base. Je voudrais les inviter à la reprise. Nous allons reprendre le dialogue. Et ils ont des collègues au ministère des Finances qui sont proches de la cagnotte, auprès de qui ils peuvent avoir des informations. Est-ce qu'on a les ressources pour ne pas donner satisfaction aux agents de l'État? Ce n'est pas ça. Je remercie ceux qui ont repris le chemin du service, même sans avoir intégralement la satisfaction de leurs revendications. J'invite les autres à un sursaut patriotique. Le gouvernement a aussi un acte fort avant de reprendre. Un acte fort? Ah ben, le gouvernement a déjà mis un milliard. Vous savez, normalement, le gouvernement ne peut pas, en dehors de la gestion courante ou de l'incident financier inhérent à la gestion courante des carrières, ne devrait pas augmenter encore les avantages. Ça, voilà, c'est vrai. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut que je le dise, c'est déjà la fin notre État, utilise près de la moitié de ses ressources au paiement des salaires. Quand est-ce que nous allons investir pour le développement? C'est ça aussi.
Donc moi, je les invite à la reprise, la main tendue. Pour cette émission. Pour finir, je voudrais dire que nous allons organiser d'ici juillet et août le débat national sur la fonction publique. Un débat national sur le rôle, le type, la taille de la fonction publique, la rémunération des agents, l'évaluation des agents, même le dialogue social. Il faut qu'on se parle dans les yeux pour que nous puissions savoir où nous voulons aller avec notre fonction publique. Si vraiment nous voulons parvenir à une administration de développement. Merci, merci. Merci. Vito Chavitaro, madame, un mot très rapidement. Très rapidement. Je voudrais dire qu'il n'est pas facile de changer d'habitude aux gens. Il n'est pas facile de poser des actes durables, ce à quoi concourt le chef de l'État. D'accord. Alors, je voudrais prier chacun à la persévérance, parce que c'est une opportunité que nous avons d'avoir un homme de vision qui rêve du beau et du bien, du durable pour son pays. D'accord. Nous devons saisir cette opportunité. À l'issue de ces échanges, on peut noter que le social, l'emploi, mais également la modernisation de l'administration publique se dressent comme des défis dont la relève va à coup sûr marquer la réussite du quinquennat du président Patrice Talon. Le terrain est balisé, des chantiers sont ouverts. Au bout de 2 années de gestion du pouvoir d'État, reste à les concrétiser au nom du bien-être des Béninois. Merci à nos invités, à Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Merci également à vous, messieurs, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Également à vous, Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique. Merci infiniment à vous, Rachidat Biomama, pour la co-présentation de cette émission. C'est déjà fini. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi de bout en bout. À très bientôt. FM, Mino Doto Webi Wenu, Radio Eno Kunu Mewe, Radio Super, Radio Chigan, Ena Chenumi.